sol, rampinant de femmes nues, mais de puits de pétrole. Alors que tout le monde rêve de fourrer, le pauvre Stephen lui rêve de forer. Puis il se réveille en beau tabarnak, qu'on n'ait pas pris part à guerre en Irak. Ce pays barbare qui ne compte aucune succursale de Tim Horton. Des fois Stephen va aux danseuses nues, il met alors des lunettes pour la vue. Parce qu'en bon conservateur qu'il est, il aime bien les femmes au foyer. Le mariage est très peu pour lui. D'ailleurs, si vous regardez ses photos de famille, vous aurez compris que son mariage à lui doit être loin d'être gay. Il parcourt le Canada de Tim Horton en Tim Horton. Si bien qu'on se demande s'il voudrait pas donner le droit de vote aux mormons. Chose certaine, depuis le début de son règne, il gouverne comme s'il dirigeait des vagons. C'est la devise de Stephen. Quand Stephen est un peu gorlot, il se met à jouer du piano. L'un après l'autre, les tubes s'enchaînent. Ça fait comme un grand pipeline. Puis il retourne au Tim Horton boire ce café dégueu qu'il affectionne. Sans doute parce que son goût est si douteux qu'on le croirait extrait des sables bitumineux. Grâce aux coupures à Radio-Canada, il va baisser nos impôts. Fait que là, nous serons plus riches et moins instruits, donc plus susceptibles de voter pour lui. Il parcourt le Canada de Tim Horton au Tim Horton. Si bien qu'on se demande s'il serait pas lui-même un morphine. Peut-être que ça explique qu'il coupe les vivres aux scientifiques, dont les recherches mettraient en lumière qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère. Oh. Mais les fourneaux de Tim Horton, c'est le secret de Stephen. Oh, allez Ricardo, prends ça en note. Leur farine blanche et marde brune, c'est la recette de Stephen. Monsieur Ward. Bravo, la conquête de l'Ouest, là. Ben oui. Vous autres, toi, t'es vraiment à la conquête de l'Ouest. Tu t'en vas faire une tournée dans l'Ouest canadien. Ouais, ouais, on a trois dates. Puis on n'est pas diffusé, nous autres, dans l'Ouest, mais si le monde du Québec veut aller dans l'Ouest, c'est quelle date vous êtes là? Ouais, c'est ça, 29, 30 puis 31 février. OK, OK, puis c'est quoi les villes? Ça, c'est pas important, c'est okay. Les dates qui comptent. Mais ça, il n'y a pas 31 février. Mais en tout cas, allez voir ça, allez dans l'Ouest. Merci beaucoup, Mononc Serge, la conquête de l'Ouest. Merci à mes collaborateurs. Bye, tout le monde.